Vas-y, on a rendez-vous. On a rendez-vous, monsieur. Ouais, ouais, voilà. Oh, oh surveillant, ils sont pas en cours de basket, ceux-là. Faites votre boulot, merde. Ouais. On est suivi, je crois. Oh, vous êtes où? C'est pas là. Hein. Si, viens. Prends ton pied de biche. Allez. Mais je vous ai dit que je suis déjà parti là-bas. Ah, et comment t'as fait sans pied de biche? C'est pas un pied de biche, c'est avec un tournevis. Ah ouais? Il y avait quoi là-bas? Il y avait un pied de biche. Ah ouais? Vous foutez quoi vous ici? Bah rien. On faisait des échecs tranquillement. Vous êtes pas censé être en cours là? Bah si, mais on a eu. Si, mais juste allez, retournez-y là. Eh, c'est pas la récréation. Oh Brandon, tu veux pas qu'on mette un coup de pression au mec? Bonsoir. Aïe. Merci à vous. Merci. Putain, c'est... Tu finis toujours par terre, toi. Comment tu débrouilles? Eh, la drogue. Oh putain. Comment ça la drogue? Ah, j'ai rien dit. Mais reviens là. Oh non, elle court beaucoup trop vite. D'où tu cours aussi vite? Je vais la semer. Je suis à deux doigts de la semer. Mais qu'est-ce que t'as toujours tombé, toi? Mais c'est la drogue. Et t'arrives pas à tenir sur tes pattes, c'est comment? Mais où, tu tiens pas sur tes jambes. J'ai pris deux coups de couteau. Quoi? Patoche! Regardez! Une blague là. Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Appelez les médecins! Pas Patoche! Non, là tu lui masses la bite, c'est tout ce qu'il attendait. Allez, vas-y, Patoche. Eh les gars, c'est pas drôle, putain de merde. Ouais, mais c'est pas drôle. Ah ouais, bah reste en bête. Allez pas, allez chercher des profs, allez parler au directeur là, dépêchez-vous. Mais il va rien faire le directeur. Un qui reste avec Brandon. Il est où Brandon? Mais il est derrière. Appelez une ambulance s'il vous plaît. Monsieur le directeur, Patoche il a pris deux coups de couteau. Monsieur Patoche, il est blessé, il s'est pris un coup de couteau. Putain de merde. Mais vous inquiétez pas. Il est où? Venez, suivez-moi. Oh putain, la drogue. La drogue, c'est mal. Et toi, tu vas avoir ton histoire de drogue là. Oh, aïe. Oh putain de merde. Non, mais quel empoté, non mais je vous jure. Mais c'est la drogue, je te dis. Allez, viens. Alors vous saviez pas qu'il était ici? Parce que la surveillante m'a prévenu, pauvre idiot. Quelle surveillante? Elle était pas là? Bah, je viens de l'informer. Ah, ok. Le massage pénien il marche pas très bien, sa mère. S'il vous plaît, fouillez tous les élèves ici présents. Tout le monde contre le mur. Tout le monde contre le mur. Tout le monde contre le mur. Faites comme le directeur dit là, bande de couillons. Les élèves contre le mur. Vous me les fouillez là. C'est... Vous verrez s'ils ont pas des armes blanches ou autres là. Monsieur. Quoi? Attendez deux secondes, parce que j'ai donné ma veste. Je dois récupérer ma veste. Madame. Je dois faire quoi? Je lève les bras, j'ai rien du tout. Ah, mais elle a plein de sang. Je suis pas un criminel. Ah, mais attendez, mon sac il est là-bas. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se rechanger au vestiaire. Bah oui, attends, viens, on va chercher les affaires. Allez contre le mur, on va vous fouiller pour voir si vous n'avez pas une arme contendante. Attends, fais pas, pote, ça va bien ça. Eh, je suis sous drogue, sa mère. Monsieur proviseur, pour leur défense. Il a dit quoi, Patoche? Il a dit quoi? Ça vient pas de nous, ben non, bien sûr que non. Mais non, c'est pas nous. Je comprends pas comment il est en mauvais état, hein. Il va falloir vite. Non, non, laissez-le parler, monsieur le proviseur. Il a pris des coups de couteau. Des Patoche, c'est qui? Je vois ça et. Patoche, vous inquiétez pas, le surveillant. Vous voyez, on a rien fait. Patoche, vous avez vu quoi? Dites-nous. Madame, j'appelle le 911. Patoche, Brandon, rangez votre téléphone. Qui a fait ça, Patoche? Patoche, s'il vous plaît, madame la surveillante, vous avez pu les fouiller tous? Là, pour le coup, j'aimerais bien les fouiller eux deux. Quoi? 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 Patoche, qui vous a fait ça, Patoche? Putain! Bon, toi, tu te tais parce que je te rappelle, on va devoir parler de cette histoire de drogue. Arrête la Rousseau, tu. Pardon. Monsieur le proviseur, c'est très grave. Oh non, mais putain. C'est pas mal là. Arrêtez de rire, bande de couillons, c'est pas le moment là. Rigole pas. Vous allez voir, j'ai pas de couteau, madame, fouillez-moi. Putain, Patoche avec sa jack dans la poche. Il y a l'ambulance, je vais aller les chercher. Vite. Restez là, Brandon. Brandon. Vous êtes sûr, je vais pas les chercher? Vous l'avez fouillé cet élève ou pas, madame la surveillante? Oui. Vous l'avez fouillé, Brandon? C'est bon, on peut y aller. Allez chercher. Allez chercher l'ambulance. Patoche. Qui a fait ça? Non, Patoche. Tiens bon. T'es le meilleur prof, Patoche, on t'aime, meurs pas. Patoche. Nous, on va pas vers la lumière. Vous pouvez au moins lui remettre ses lunettes. On va aller fouiller. Ce sera peut-être un... Tahiti Boy, sors-lui les coucougnettes, il a besoin de ça pour respirer. Il est là, le docteur, il est là. Le médecin. Le docteur est là. Vous avez appelé l'ambulance. C'est quoi cette peu coup, bâtard?
Oh putain, ouais, je suis choqué de vous. Avez pas fouillé. Bon d'accord, je vais le faire alors. Le... Mettez-vous contre le mur, elle vous a pas fouillé. Laissez le médecin. Reculez-vous. À part les filles, je peux pas vous fouiller. Les filles, pas besoin. Monsieur le directeur. Mais monsieur le directeur. Monsieur le directeur, elle m'a déjà fouillé. Mais oui, il y a autre chose à faire que nous fouiller, monsieur le directeur, il y a Patoche. Il y a un médecin, monsieur, vous êtes médecin? Bah non. Ouais, vous êtes loin de le devenir avec les résultats que vous avez. Quoi? Mais quel. Oh, ça me donne envie de vomir. Attends, ça me donne envie. S'il vous plaît, madame, surveillante, évacuez les élèves, je vais m'occuper du reste. Ok. Les élèves, on sort, allez, vous allez dans votre chambre. Oh, il dégueule sur les poignets, ce bâtard. Eh, moi, je sors pas, moi, il dégueule sur les poignets. Les élèves dans vos chambres, tout de suite. Oh, putain. Dans vos chambres, j'ai dit. Oh, ça ne pas. Putain. T'es en train de me demander si son pronostic vital est engagé ou pas. Non mais là y'a pas de... Je vais me changer là, c'est vous allez aller dans vos chambres, au dortoir. J'étais en train de lui demander ça au docteur. Ouais bien sûr, pardon. Ah bah désolé, j'ai la tête qui tourne. Oui. Dans ta chambre. Je peux pas aller à l'infirmerie rapidement. Mais pourquoi c'est nous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Battle, dans ta chambre. Notre professeur vient de se faire tuer. De quoi? Tu m'as appelé comment? Battle. C'est quoi Battle? Tiens pas debout, allez va dans ta chambre. Mais ouais, mais c'est la drogue. Oh non, mais c'est trop, c'est pas possible, je n'en peux plus. Ah putain. Mais d'où t'es aussi balèze toi, putain, lâche-moi. Elle a plus de biceps que moi, que Bobby là. T'es un gamin, je suis une adulte, non. Pas dur. Oh mais je suis un gamin américain donc je suis grave balèze, ok. Oui, allez. À l'âge de 13 ans, on m'a toujours dit que je faisais 25 ans. La Rousseau. Mais non, mais attends, mais c'est récréation et cantine, oh, je vais pas aller dans ma chambre. Eh, on va manger. Vas-y. Vous allez aller dans vos chambres de suite, c'est fermé de toute façon. Quoi, sa mère. Mais attends. Ah moi j'en sais rien, moi je fais ce que le directeur demande de faire. Attends, hein. Oui. On va dans et le vous chambre. Trouvez pas ça bizarre qu'il y a trois potes qui sont morts et des surveillants à l'espace de 2 semaines dans les... Eh, je suis arrivé hier moi. Brandon. On fait ça vite là. Mais attends, pourquoi on doit aller nous dans la chambre là? Parce qu'on va fouiller vos chambres. Starf, je me casse. Yo mon ref. Non, reviens là. J'arrive. Je suis en train de faire pipi. Vas-y, sors de là genre. Non mais attends, mais je pisse hein. Tu t'es fou ou quoi toi? Allez, viens là, dépêche-toi. Attends, je fais pipi. Jordan, dépêche-toi de sortir d'ici. Je fais pipi. Vas-y, c'est dur à comprendre ou quoi, mon ref? Tu vas me laisser pisser, bâtard. De toute façon, tout est fermé. Mais je fais juste pipi. Mais pourquoi il me dit ça, lui? Oh, les bâtards. Quoi? Oh, Brandon. Ah bah voilà. Oh putain! Ça va, Jordan? Bah non, ça va pas du tout! Est-ce qu'il s'est fait poignarder? Bah oui! Brandon, tu sais quelque chose ou quoi là? Bah non, je sais rien! Oh, ils veulent nous faire une fouille de nom, pourquoi? C'est quoi notre problème là? Bah je sais pas. Faut que j'arrive à aller au casier, c'est tout ce qui m'intéresse. Pourquoi tu veux récupérer quoi? Je veux déposer plutôt. Tu veux déposer? Oh putain, t'as quoi? Les pieds de biche, c'est pour ça que j'ai simulé le vomissement. Ok, tu sais quoi? Vas-y. Enculé l'estomac. Eh, hey, on y va en courant. Le premier qui veut t'interpeller, je lui mets une patate et il va me poursuivre, moi, ok? Je te couvre. Non, mais t'inquiète, attends, on va juste attendre un peu que ça se libère. Il faut juste y aller de manière doucement, tranquille. Carré. Vas-y, je regarde derrière. Ça, tu gardes ça en cas d'extrême urgence. Ouais. T'inquiète, moi j'ai rien sur moi, t'inquiète, Nick. Si je tombe, c'est pas grave, au moins tu pars. Je vois ce que j'ai. Vas-y, je regarde derrière. Je vais me changer. Ok, là ils vont pas reconnaître que je suis bleu. Vas-y, attends, tu veux un masque? Ah bah non, c'est encore plus con, putain, je suis con, vas-y. Bah c'est la drogue. Mais attends, marche pas trop près de moi. Ouais, carré. T'inquiète. Juste, je surveille de loin, le premier qui s'approche, je lui mets une patate et tu t'enclenches. Ouais, je vais à la cantine. J'ai la dalle. Mais non, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Attends, mais toi t'es de la police ou quoi? Et tu veux jamais me lâcher, frère. Et tu fais... Comme ça avec vous, bande de petits couillons de merde, viens là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Tu casses. Mais c'est la cantine. J'ai la dalle. J'ai la dalle. J'en ai rien à foutre. Putain, tu casses les. Tu partiras quand je te l'aurais dit. Vas-y, bon bah fouille-moi. Allez, vas-y. Non, mais attends, vas-y, tu me ramènes pas là-bas là, abuse pas. Bah non, elle disparaît pas. Non, mais là t'es un abuseur. Vas-y, ouvre ta veste. Comment ça, ouvre ma veste? Vas-y, fouille. Ouvre ta veste, laisse-moi regarder ce que t'as sur toi. Bah fouille. Il a rien dans les poches. Mais oui, j'ai rien, putain de merde. C'est bon? Non, mais il a rien. Elle va manger. Ah putain. Et casse-toi. Oui, bah c'est bon, oh. Allez, dépêche-toi. Et va te laver les mains aussi. Prendre l'air, les jeunes, allez prendre l'air un peu là. Ah, on veut des nouvelles de Patoche.
Monsieur le directeur Patoche, il va bien? Maintenant, ah ouais, maintenant je me sens léger. Monsieur le directeur Patoche. Maintenant je suis tout léger. Il va bien? Quoi? Mais pourquoi il... Mais je demande des nouvelles de Patoche, il se barre en courant. Eh Patoche, il va bien? Attendez, attendez, excusez-moi, je reviens. C'est bizarre. Bon, t'es pas trop déçu. Non, non, moi j'ai juste vu dans l'ambulance. Non, non, on était encore avec lui, on est sorti rapidement, on est revenu, il s'était fait planter, mais on s'est pas parti. Ah, ok, attendez, moi je me disais que c'était lui. Oui, oui, il s'est fait planter. Bon. Excusez-moi. Madame l'infirmière? Putain, toujours. Madame? Bon appétit. Merci. Bon appétit. C'est la pire sonnerie du monde. Je te dis un truc. Mais il s'est passé une dinguerie, Patoche, il est parti à l'hôpital. Ouais, je sais, il s'est fait planter. Ils m'ont dit, les bleus. Il s'est fait planter? C'est ce qu'on vient de te dire. Oui. On a un super plan. Mais comment ça, planter? Mais il a pris deux coups de couteau. Patoche, il est entre la vie et la mort, je vous le dis. Non. Mais qui a pu faire ça? Paie-moi la dégaine. Eh, regardez vos téléphones, putain, merde. Life Invader. C'est quoi silence d'église? Bah voilà! Patoche, ah ouais! Eh, j'avoue, moi je suis pas un mec des réseaux, moi. Eh, mettez un like par contre, mettez un like, bande de bâtards! Je rêve ou tu. Attends, mais tu fais du buzz sur le dos d'un blessé? Non, sur le dos d'un potentiel. C'est la loi d'internet. Hein. Bah ouais, voilà, merci, merci, tu vois, lui, Clito, il comprend. Eh ouais, nous, on connaît internet. Ah ouais! Non, Patoche! Mais donc, on sait pas c'est qui a fait ça? Mais vous avez rien vu les bleus, vous étiez encore avec. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Patoche, comment vous avez pas vu? Mais non, c'était que ça, on n'a pas vu. Mais vous faisiez quoi? Il nous a demandé de faire un petit échauffement, donc on est parti s'échauffer et le temps qu'on parte s'échauffer, on est revenu. Il était en sang par terre. Je suis désolé, j'ai que deux places. Ça va, monsieur Babar? Mon élève préféré, hein, malgré que t'es un sac à pu. Ah, c'est pas oui moi. Enfin, le bon traité avec un sac à pu. Bon, je vais te donner un livre. Sur ce livre-là, t'as tous les plans de l'école. Ok. Vas-y. Et dans ce plan-là, tu regardes celui du nord, nord-est. Ok. Celui du nord-est, t'auras à peu près une sorte. Genre, t'auras le chemin, il va te ramener à un Beretta. Et ce Beretta, c'est celui du prof. Directeur, pardon, du directeur. Ah, regarde, tiens le livre, tiens le livre. C'est plus simple, tu vas comprendre direct. Vas-y, je vais comprendre direct. Tu sais que je suis malin. Allez, je crois qu'on va te donner un truc, petit bouffon, va. Allez, rends-moi mon livre. Allez, hop, allez. Il a plus quoi, lui? Allez, scam. Allez, scam. Scam, scam sur scam. Scam, 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 scam. Ah, mon pote, ah, c'est comme ça. Ah, je suis fait. Moi, je suis fait. Ah, smart du tout. Ouais, non, t'as scam. Rends mon livre. Rends mon livre. Ouais, il a sorti un cut. Brandon, rends-lui. Voilà. Allez, file. Allez, filez. Le petit filou. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Toute la stup est dans mon cul. T'as vu quoi? Y'a rien. Tu vois pas qu'il se fout de ma gueule là? Oh putain. Oh putain de merde. Merde alors. Ah merde alors. Bien bon. C'est jouissant. Non, putain. Totalement. Ces gosses là qui pensent connaître tout à la vie. Ah genre là. Eh, 37 piges moi j'ai. Hein, j'en ai vécu des choses. Ah, vous allez pas nous la faire, hein. Oh, de toute façon, on se casse, bat les couilles. Ah ouais, vas-y, tourne. Ah, donc j'avais raison, Ouais, j'aime ça. Pardon, c'est... Et t'es pas prête, hein? Bon, il est où le serveur, ce bâtard? Bah ouais, personne l'a quand tu... Hein? Oh, t'as qui balance, moi? Il est où le serveur, là? Bien serré, là. Ouais. Monsieur, je voulais aller voir... Ah, la question! Brandon, Black Eyed Peas. Je peux te donner un conseil, deux minutes? Ouais. Ça te dirait pas de discuter avec la classe? En vrai? Pour faire quoi en fait? C'est à cause de vous que tout ça est arrivé. De quoi tout ça? Non, ça va les mecs. Attends, la Rousseau. Quelqu'un nous demande si ça va. Bah oui, je vais quand même vous demander, vous avez vu quelque chose de traumatisant quoi, non? Peut-être? Ouais, bah c'est ça, mais le problème c'est que vous nous avez fouillé, vous avez insulté, vous avez bougé, vous. Alors que nous, on est simples élèves, nous. T'es choqué de la situation? Il va comment le professeur? Ah, Joshua! Là pour le coup, malheureusement, j'ai aucune information. Et ça vous inquiète pas plus que ça? Mais le proviseur, mais. Eh, vous, pourquoi vous faites aussi confiance aveuglément au proviseur comme ça, vous? Bah, c'est mon employeur! Ouais, mais. Ok! Vas-y, putain!
Et toi d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de drogue? Y'a pas de drogue, y'a pas de drogue. Non, parce que bizarrement, tu tombes quand même souvent et tu dis souvent, c'est de la drogue, hein. Non, c'est bon, je tombe plus, t'as vu, je me suis ressaisi. J'ai l'œil. Ouais. Attends, Brandon, c'est à cause de nous que quoi? Écoutez, si vous me dites que c'est pas vous, c'est pas vous. On a laissé Patoche tout seul. Moi, vous mais, êtes non, mais attends, mais Brandon, là, tu te confonds d'ennemi. Je vous jure, on s'éparpille, là, viens, on discute. Mais que tu veux discuter de quoi? Les enfants, tout va bien? Oui, monsieur le directeur. On a des nouvelles de Patoche? Écoutez, pour l'instant, moi, de ce que m'a dit le médecin, ça va être très compliqué. Quoi? Comment ça? Pour l'instant, c'est plus ne communiquez pas de la mort que de la vie. Oui, il est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Quoi? Néanmoins, néanmoins, le plus important pour l'instant, c'est de réussir à arrêter celui ou celle qui a fait ça. Et croyez-moi, je fais tout mon pouvoir. J'ai mais un doute, monsieur, j'ai à chaque fois que vous faites tout pour dans votre pouvoir, on n'arrête personne. Depuis la mort du prof de mécanique, on n'a arrêté personne. Si, on a arrêté le pointeur. Oui, c'est quand même grâce à John et Aline qu'on a arrêté le pointeur. Non mais attendez, vous arrêtez un pointeur, c'est grave, mais le mec a mis des coups de couteau à Patoche. On dirait ça vous inquiète pas là, monsieur le directeur. Non, je suis inquiet, autant que vous. Mais le mec il a fait ça, on était en cours. Écoutez, on fait tout notre nécessaire pour y arriver. Ne t'inquiétez pas. Et vous avez pas l'air paniqué, hein, directeur. Les enfants, vous inquiétez pas, le proviseur sait ce qu'il fait, et voilà. Ah, je suis pas sûr. Soyez... Si, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vous remercie. D'accord, monsieur le proviseur. On fera tout en œuvre pour que ça s'arrange. Ok, Ganesh, merci de nous rassurer. Merci, Ganesh, en tout cas, d'être de notre côté. J'ai pas confiance. Ah, bah, si. Non, non plus. Mais vous êtes quoi? Mais Ganesh. Désolé, il est pas trop malin. Venez avec moi, s'il vous plaît, on va manger sur le banc si vous avez pris votre nourriture. Non, on n'a pas le droit d'aller dehors, je crois. De qui n'est pas très malin? Putain. Ah. Il s'est pas pris un coup de couteau. De quoi? Pourquoi? Il s'est pas pris un coup de couteau. Mais il a pris quoi? C'est une créature qui l'attaque. Mais non, c'est pas... Patoche, il nous a bien dit. On a pris notre bouffe. Attendez, vous avez mangé les enfants? Non, on a pris, on va manger dehors sur les tables. Vas-y, bah j'ai pris ma bouffe. Mais on peut pas manger dehors, je crois, on peut pas sortir. Ah merde. On va manger. On va chier, Kevin. Ça va ou quoi? Merci, madame. Kevin, merci. Allez, va bouffer. C'est pour que je connaisse des gens qui pourraient donner des trucs pour me défendre. Ah ouais, vas-y, viens. Viens, mon ami. La faible. Ah, voyez, monsieur le professeur, je vous ai dit. Si jamais tu veux quelque chose pour te défendre. Ouais, j'ai besoin, j'en ai besoin. Il faudrait que t'ailles voir. Oh non, c'est une info de merde. Non, ils me l'ont repris, ils me l'ont repris. Je pense qu'il y a tricherie sur les... Il faut que je parle avec monsieur Ziggen d'urgence, s'il vous plaît. Excusez-moi. Rien, je suis à votre disposition. Monsieur Ziggen, venez s'il vous plaît. Oh putain de merde. C'est urgent. J'arriverai jamais à me faire soigner cet établissement de merde. Merci beaucoup pour le conseil. Oh monsieur le professeur. Oui. Il y a moyen de me mettre un petit pansement tard John Hallyday? J'ai pas de pansement, bonhomme, je suis désolé, y'a personne les favoris? Non, y'a personne, c'est un enfer là, j'en peux plus, ça fait 2 heures que je peux. Bah, voir. Attends, y'a tous les profs là. Ganesh, il est plus blessé que moi, putain. Ganesh! Oui. T'as pas un petit pansement, quelque chose, s'il te plaît, j'en peux plus là. Même si t'es plus blessé que moi, t'as bien un petit truc comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Un reste de bétadine, bah, parce que je me suis fait casser la gueule. Ok. Tu vas venir avec moi à l'infirmerie. Ok. Je reviens, Brandon, j'arrive. Raconte-moi tout, ce qui se passe. Une altercation malheureuse. T'es blessé? Qu'est-ce que vous faites là, Francis? Ils vous écoutent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les élèves là? Je sais pas, Francis. Bonjour madame. Bah en fait, on m'a dit Patrick il était pas bien. Ah ouais, mais... Madame l'infirmière, vous êtes là? Non, elle est pas là. Elle est occupée. Vous êtes là madame? Elle est occupée, laissez-la, attendez. Gagnez s'il vous plaît un pansement quelque chose. Oui, je vais juste mettre un pansement là, bouge pas. Récupère ça dans le tiroir. Ganesh, je me sens. Et je peux vous dire un truc, je peux vous confier, je peux vous confier un truc. Je vais pas vous mytho là, dans ma classe, je me sens seul de fou. Il faut me guider, j'en peux plus. Jordan, pourtant vous êtes un brave élève. Ouais, mais je sais pas, je me méfie de tout le monde, j'ai l'impression Brandon il veut me la mettre à l'envers, j'ai l'impression ils veulent tous me la mettre à l'envers. Alors que Patoche il s'est pris des putains de coups de couteau. Écoutez, on va faire ça très vite parce qu'on vous attend en rang là, okay? Tu t'en bats les couilles de ce que je raconte? Non, Jordan, écoutez, on vous attend devant là. Putain, ça très vite. Je t'ai pleuré, Ganesh, bordel. Non, tu vas pas pleurer, Jordan. Non, je t'ai pleuré, c'est déjà fait. C'est au participe passé imparfait. Bah ouais, merci. Je vais soigner ça. Bon, allez, vas-y, force à toi. J'espère que pour toi, tout va rouler. On aura une discussion après, Jordan. Vas-y. Je vais juste. Eh, Brandon. Quoi, mon gars? Vas-y, tu sais quoi, je t'embête plus. Tranquille, ouais, carré. Dis-moi, j'attends, j'ai un rendez-vous. Vas-y, bah je te laisse. C'est quelque chose de très, très grave. Oh, la discussion.
D'accord. Un des professeurs a été agressé au sein de l'établissement. Il semblerait qu'un élève s'amusait à libérer une des créatures de Monsieur Ziegen au sein de sa salle SVT. Un acte très très grave. Une de ces créatures s'est échappée et a agressé Monsieur le professeur de sport. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. C'est quoi ce bruit là? Restez calmes, les enfants, restez calmes. Oh putain! Bon, j'ai oublié, j'ai pas les papiers. Ouais, j'ai connu, c'est un crâne. C'est lui qui a attaqué Patoche. C'est lui qui a attaqué Patoche. Silence! C'était dans le portail. Taisez-vous! Taisez-vous, les enfants, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Ziegen. Je connais ces spécimens. Oh, c'est dégueulasse! Oh, t'approches pas! Vous en faites pas! Putain, mais taisez-vous! Et ils veulent pas se taire! Ça va aller, les enfants, ça va aller. On dirait la gueule à lui! Votre bête en question a attaqué deux personnes dans la rue, pas loin de l'école. Ils sont à l'hôpital pendant ce moment, mais on sait pas l'état. Écoutez, on a une autorisation gouvernementale quant aux expériences qui sont faites dans cette école liées justement à recherche et développement pour. Ce qui est les hybrides, d'accord. Je prends en charge la suite. On est assuré, on a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me faire suivre tout ce qui est documents, etc. On fera ce qu'il faut. Je m'en excuse. Vous, je m'en excuse. Donc il semblerait que certains d'entre vous s'amusent à se balader en dehors des cours, s'amusent à fouiller des salles de classe et qui plus est, libérer des bêtes dangereuses que l'on met à disposition pour votre enseignement. Mais monsieur. Quelle classe était en cours d'SVT? De quoi? Pourquoi il y a une armée, les gars, là? Justement, aucune classe était en cours d'SVT. Aucune. Alors j'ai du mal à comprendre comment des élèves ont pu se balader librement dans l'école. Mais non, mais on s'en fout. Alors qu'ils avaient cours. Je me demandais à tous les professeurs de me signaler toute absence d'élèves durant vos sessions de cours. Quelqu'un qui vous dit à partir de maintenant je vais aller aux toilettes, c'est interdit. Il attendra la fin des cours. Quelqu'un qui veut aller manger ou qui veut aller s'abreuver, c'est interdit. On a une infirmerie. S'il tombe dans les pommes, c'est l'infirmière qui le prendra en charge. C'est clair? On est obligé d'en arriver là avec vous. Désolé, monsieur. Vous trouvez ça normal? Un professeur entre la vie et la mort là. Oui, oui, Nova. Monsieur, il manque des rouges et ils se sont pas fait agresser? Écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question, madame la surveillante. Okay, monsieur surveillant, s'il vous plaît, allez faire un tour, voir si vous pouvez pas trouver les élèves manquants et leur retirer la modique somme de 20 points chacun. Ok, directeur. Donc voilà, pour ce qui est de la situation du professeur de sport, je ne vous mens pas, elle est critique. On croise les doigts pour pouvoir le revoir parmi nous rapidement, mais il y a très peu d'espoir. Il y a très peu d'espoir. Quoi? Voilà, ton pronostic vital est engagé. Quoi? Je préfère être honnête avec vous. Non, pas Patoche. Transparent. Voilà. Patoche. Maintenant, s'il vous plaît. Je serai à deux fois avant de libérer une bête la prochaine fois. Monsieur Ziegen va faire état des lieux des dégâts qu'il y a eu dans sa salle. Et derrière, on vous annoncera vos salles de classe avec Monsieur Ganesh. Vas-y, Monsieur Ziegen. Bon. Il se trouve que certains élèves ont fractionné une vitre qui contenait une créature qui a pu s'effader. Non, mais y a rien, le chat, vous inquiétez pas les refs, hein, vous inquiétez pas. Avec mon expertise, pouvoir définir qui. Non, les modérateurs, ils just arrêtent de suivre. On s'en fout. Laissez vraiment arrêter. Témoin des conséquences de vos actes. Ces créatures peuvent être dangereuses si elles sont en danger. Faut pas c'est que du RP. Ah mais bien sûr les gars. C'est que du RP, je m'amuse de fou. Que j'ai bien été clair avec vous. Ouais, bah ça c'est un calme. Oui. Regardez l'état de votre propre sport. La créature maîtrisée, il va falloir quelques travaux. Pour la maîtriser convenablement, pour l'instant, la salle de SPT est interdite. Jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, bah ça c'est un calme. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez fait là? On a rien fait, monsieur. C'est forcément un élève. Peut-être pas vous, mais il y a forcément un élève. Et pourquoi pas, surveillant? Et pourquoi pas, prof? Il y a d'autres surveillants qui ont été guéris pour des choses similaires. Et si c'était pas la créature qui avait attaqué le Patoche? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous racontez? C'est peut-être vrai, ça aussi. Bon, écoutez. Dites-le où, Ganesh. Je vais vous annoncer les cours, le dernier cours. Il est où, Amine? Il est mort. Les surveillants sont sur le coup, d'accord? Il est où Amine? Les surveillants sont sur le coup, vous voulez prendre la place des surveillants? Moins 10 points pour votre classe avec vos commentaires. Alors du coup, on poursuit. Et dernier cours, pour la classe bleue, vous avez cours de mode. Eh, écoute Nova, moi je vais te dire la vérité, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Avant on était unifiés, là vas-y on est tous séparés.
je sais pas à qui parler. Toi et Kirby, vous allez à gauche. Brandon, il va à droite. Là, je suis perdu, je t'avoue. Hein. Je crois qu'on a tous perdu le fil là. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas. Y a... Le seul moment où je me suis éloigné avec Kirby, c'était pour parler de sa musique. Enfin, je veux dire, il y a pire quand même. Ouais, mais ça a duré le temps d'un album, sa mère, pas d'une musique. Oui, bah, on avait beaucoup de choses à dire en même temps. Elle s'est humiliée devant toute l'école. Je veux dire, enfin, c'est pas parce que t'es pas avec nous 20 minutes que c'est la non, fin non, c'est pas ça. C'est qu'on... Mais non, tu comprends pas. Putain, vas-y, tu me gonfles. Je me casse. Et c'est où, putain, on a cours de quoi là? Mode, ça pue sa mère! C'est... Allez, j'en donne un cours vite. Tout ce que tu vois, tu... Mais je sais même pas où j'ai cours! Mais juste devant. C'est où ça, devant? Devant là. Là, là. Oh putain. Vous aviez une mouche sur votre casquette. Ah, très bien, je vais improviser alors. Ouais, merci. Venez, venez, les élèves, venez. Tout est bon, madame la professeure. Hein. Monsieur Ganesh? Oui. Bah, je vais improviser pour ce cours. Oui. Eh, vous savez ce qu'il vient de faire là? Bon, oh, après les cours, allez-y. On va se voir après. Je m'en fous de ce que je fais. On en parle après. Et on s'entend alors, je ici. Je vous laisse vous mettre derrière chacun un pupitre, s'il vous plaît. Ok. Vas-y, c'est carré. Ça va non, pas ce pupitre là, juste les tables, s'il vous plaît, pardon. Je me suis mal exprimé. Chacun derrière une table. Je vais vous redonner des feuilles de dessin. N'hésitez pas à bien mettre une étiquette sur ce. Je sais pas comment on va avancer, je sais pas. Je me sens perdu là. Vous emmêlez les pinceaux entre les deux dessins. Les meufs, elles partent à gauche. Tout ce qu'on prévoit, y a rien qui se fait, ça me gonfle. Brandon est à droite, j'essaye de suivre Brandon, mais j'aimerais qu'on joue ensemble et résultat, personne joue ensemble. Donc là, j'avoue, je suis perché, les gars, je sais pas comment on va s'en sortir, sa mère. Je peux avoir une feuille? Oui, bien sûr, attendez, merci, je vous madame. Donne ça. Madame, ce jean vous va tout à ravir. Merci. Oh, merci, c'est très gentil. Il n'y a pas de souci, c'est carré. Les yeux baladeurs. Pour ce nouveau cours... J'ai juste du goût, nous allons madame. Aborder un nouveau thème. Nous allons voir comment vous percevez vos camarades. Donc je vais vous demander de dessiner, déjà de diviser votre feuille en deux, car vous allez dessiner deux camarades dans leur environnement. Donc vous ferez un trait bien au centre de votre feuille et ferez deux dessins. À gauche un premier dessin et à droite un autre dessin. Donc sur ce dessin, vous devrez dessiner un de vos camarades et comment vous le percevez avec sa personnalité. On verra bien comment vous les connaissez. Leur personnalité, ce qu'ils représentent, ce qu'ils aiment. Voilà en général. Donc deux dessins en un, je vous laisse faire. C'est pour dire que. Ouais, ça va être dur. La classe, elle est. Je compte sur vous, je sais que vous allez y arriver. Comme je vous ai dit, vous décidez cette personne. C'est pour dire qu'avant, on était tous ensemble. Et maintenant, c'est de la merde. Sa personnalité. Et que je suis déçu. Que je suis triste. Je suis sûr que vous allez pouvoir faire des belles choses et ensuite les présenter devant vos camarades. Vas-y, c'est bon, j'ai fini. Déjà? Ouais. Vous allez dessiner les deux personnes et ce qui les entoure. Ouais. N'hésitez pas à rajouter des détails parce que ça fait vraiment un petit peu court comme temps quand même. Prenez votre temps, vous avez vraiment du temps devant vous pour ce cours. Ouais, faut que je prenne du temps parce que là c'est dur. Oui, vous avez du temps. Y a rien de dur, cousine, tu dessines. Eh mais laisse-moi tranquille, y en a qui mettent du temps à imaginer, d'autres moins, ça dépend. Eh, hey, toi, tu nous as fait quoi? Tu nous as tracé une ligne, t'as écrit deux trucs à gauche à droite, à mon avis, et c'est tout. Ouais, alors? Voilà, eh ben moi non. Moi, c'est pas ça. Pour moi, l'art. C'est quoi? C'est quoi dessiner un Tupac dégueulasse en forme de tablette de chocolat? Et là, c'est parce qu'il boude, c'est pour ça qu'il veut pas dessiner. Vas-y, foutez-moi la paix. Mais t'arrives comment, Fleur des Îles? On va parler après. Non, on parle pas. Oh, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Parce que vous me cassez tous les couilles. Mais on a fait quoi? Et la vie de ma mère, parfois je me demande si t'es pas une meuf et que t'as pas tes règles. Vraiment. J'ai peut-être une infection urinaire et oui, j'ai peut-être des règles qui sortent de mon zizi, alors. Ouais, ça m'étonnerait. Ah, bon. Ouais, bah c'est pas facile une sixtite, ok? Mais je crois qu'il est en descente de drogue. Ouais, je pense aussi. Eh, arrêtez. Eh, je déteste ces gens qui parlent à la place des autres. La vie de ma mère, arrêtez, vous êtes pas dans ma tête. C'est sûr. Ferme-la. Vas-y, je me tais, Le Maltesers, je vais le broyer. Dans le cours, pas de violence verbale, s'il vous plaît. Putain. Apaise ton cœur. Apaise tes morts. Si vous avez des choses à exprimer, exprimez-les dans votre dessin, monsieur Jordan. Vous qui avez été rapide, vous avez... Ça y est, il est fait. Écoute, madame. Vous allez pouvoir mettre... la tête de... écoute, avec ta nappe de pique-nique, là. Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille aussi, madame. Écoutez, je vous adore. Si vous êtes énervé, je vais retirer des points. Arrête. Non, madame. Vas-y! Exprimez votre rage dans votre dessin. C'est bon, je m'excuse, oui, c'est bon, je m'excuse, vas-y, je décide. Très bien, continuez. Eh, madame? Oui, je vous écoute. Pourquoi sur les pupitres c'est Canal+, mais que la version, tu vois, pas payée? Oui, effectivement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges de couleurs lors des précédents cours. Yannick Noah, c'est Yannick Noah, tu connais Yannick Noah? Que de nom. Bah, lui, il mélange de couleurs aussi, tu connais. D'accord. Non, tu connais pas? Si, je connais. Attends, non, c'est pas Yannick Noah, sa mère.
Si vous voulez exposer votre dessin, allez-y, vous allez devoir madame, le présenter devant mais attends, mais c'est Yannick Noir. Il y a pas de beige, il y a pas de beige, madame. Attends, bah ouais, c'est Yannick Noir. Eh hey, madame, revenez, je crois que vous avez pas la rêve de Yannick Noir. Si, il change, je suis un mélange de couleurs. Eh bah voilà, bah vous le connaissez alors. Mais je vous ai dit que je vous connaissais. Il faisait du tennis pieds nus et tout, il était trop chaud. Effectivement, oui. Trop chaud de fou. Il a fait un deuxième hit, c'était Saga Africa. C'est lui où il chantait avec les lions aussi. Ouais, c'était Saga Africa, ouais, tu connais. Effectivement. J'avais, quand j'étais petit, tu vois, ma maman, elle m'a acheté l'album, mais c'est pas un album, il y a une musique. Je crois que ça s'appelle un single. Effectivement. Eh, je vous en supplie que quelqu'un dise quelque chose ou avancez là, c'est Jordan, un truc de fou. Jordan, tes yeux ils sont de quelle couleur déjà? Mes yeux, je sais pas. Je me sont regarde. Pas verts. Je me regarde rarement vert, dans les yeux. Je me regarde rarement dans les yeux. S'il te plaît, regarde s'il te plaît. Vert, ouais, vert, vert. Pour moi aussi s'il te plaît. Je sais pas, madame. Oui, je vous écoute. Ils sont de quelle couleur mes yeux? Ils sont vert alors, marron. Attendez, ils sont. Mettez-moi pas le doigt dans effectivement, l'œil. Effectivement, ils sont verts. Voilà, ils sont bien verts. Bah, parfait. Ah ouais, comme si je pouvais savoir de quelle couleur étaient mes yeux, ça a pas de sens. Eh, me dessinez pas là, laissez-moi tranquille. Si, si, je te dessine maintenant. Non, non, que personne me dessine. C'est trop tard, je te dessine. Non, bah, et tu me gommes. Non, je te gomme pas. Eh, t'as quoi? C'est mon dessin. Je suis énervé. On va parler, ma baby. Non, on va pas parler. Baby girl. Non, j'ai pas envie de parler. Oh là là, eh, tu vas arrêter, hein. Eh, arrêtez de parler à ma place, tous. Vous rendez fous. Bah, ce que je veux pas dire, nous. Mais c'est pas je veux pas dire, bah vous verrez avec mon dessin, voilà, vas-y tu sais quoi, je vais même afficher mon dessin maintenant. J'ai non je regarde pas. Vas-y c'est allez-y, bon allez-y. Je pourrais pas regarder de toute façon. Merci. Je peux pas là encore, j'ai pas fini. Ouais, ouais, oh, voilà, voilà mon dessin, voilà venez, c'est quoi venez. Mon dessin. Je peux pas est-ce voir que je suis en train de dessiner maintenant. Sur vous ou pas Vas-y je le récupère ouais. Alors. Ok, pensez bien à mettre une étiquette dessus car je vais vous donner une nouvelle feuille de dessin, il ne faudrait pas qu'elle se mélange. Vous allez mettre votre dessin alors Jordan ou pas? Oui, bah vas-y, bah je fais des petits détails, t'as vu? Ah, c'est très bien. Je vois que vous êtes à nouveau concentré dedans. Très bien, mettez bien sur le pupitre en face de ça, votre table. C'est les pecs de Kirby, sa mère. Allez-y, c'est l'heure d'exposer vos dessins. Allez-y, Jordan, exposez votre dessin. Ouais, j'arrive, carré. Allez-y, Jean-Charles. Moi, j'ai pas compris trop la consigne. Mais c'est pas grave, on va voir ensemble. Oui, bien moi, sûr. J'ai un élève. Ah, d'accord, ce n'est pas grave. Quoi? C'est tout? T'as pas mal. Y'a rien, là. C'est très explicite. Vas-y, on peut commencer sinon on va jamais y arriver, je crois. Tu sais qu'il y a des trucs qui se vendent allez, super cher et qui sont moins détaillés que ça, mon gars. Ouais, c'est ça, vrai, c'est vrai, ça, mais c'est parce que c'est la réputation de l'artiste qui fait vendre. C'est comme les habits Balenciaga, des fois il y en a qui sont dégueulasses. Et vu que c'est du Balenciaga, ça se vend cher. Ouais, c'est ça. Mais ta réputation d'artiste, elle vaut rien, donc le dessin, il vaut rien. Bah si, il vaut. Malheureusement, il est. C'est l'art. Ok, j'arrête tout. C'est de l'art abstrait, tu connais pas après, parce que c'est normal en même temps. Ce n'est pas grave, c'est pas grave, peut-être que... très très bien. Ça a rien d'être arrogant alors que t'avais pas compris une phrase simple que je viens de merci. Te dire simplement. Eh vas-y, arrêtez, c'est bon. Les gars, vous embrouillez pour rien. On s'embrouille pas, on argumente. Ça va Aziz? Ouais, ça va et toi? Oui, déposez cette feuille de dessin là au sol en attendant. Comme ça vous pourrez mettre la bonne. Bah je me suis fait plein de contacts de l'autre côté. Ouais, des contacts. Il y a des gens, ils veulent me recruter dans le marketing. Tu nous expliqueras ça? Je comprends pas pourquoi. Ouais, si tu veux. Carré. Pas de souci. Carré. Ouais, carré. C'est carré de fou. Attends, c'est un mec qui a fait une crotte et un cochon qui est en train de me reprocher mon dessin là. Je suis en train de rêver. Si, si, tu disais mais comme quoi fait, c'est tout. T'as dit c'est tout. C'est tout, y'a pas grand chose. Ouais, mais t'as mis deux émoticônes, si tu me racontes. C'est parce qu'elle a oublié, elle l'a pas enregistré sur le papier. Je l'ai enregistré, si. Regardez, tenez, prenez, là. Vous attends, voyez, mais t'as qu'une feuille ou t'as plusieurs feuilles de dessin? J'ai mis. Attends, mais je vais déposer ça, les feuilles. C'est mon dessin. Donc t'es dans la merde, c'est dans mon deux, dessin. Deux, cas, deux pers- il est intitulé. Bah, là, je l'ai intitulé deux personnes. Tu peux le prendre à l'affiche là? Attendez, je vais m'en occuper. À chaque fois que je m'exprime à quelqu'un ici, c'est soit une merde, soit un porc. Il y a écrit deux personnes. Ah, d'accord. Ouais, tu dénigres tout le monde, quoi, c'est ça? T'es au-dessus de tout le monde. Ouais. Mais non. Là, il y a toi et les élèves, c'est ça. Ah. Non, ça tue. Il y a de l'inspi. Vas-y, c'est pas grave, madame. Hein. Sinon, on va jamais y arriver encore. Hein. Ça... Eh, vas-y, je me suis fait chier. Je me suis oui, fait mais on s'est tous fait chier la dernière fois à dessiner et personne n'a vu quoi que ce soit. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est allez. Bon, ah oui, c'est ça. C'est parfait. J'avais pas fini. Alors,
Eh ben écoute, on va commencer par Jordan car il a envie de beaucoup de parler. Non, j'ai pas envie de parler. Allez-y, Jojo. Vas-y, montre-nous. Mais moi, vas-y, c'est ça. Moi, j'ai représenté personne en particulier parce que je m'en bats les couilles, t'as vu. Là, c'est la classe et c'est un cœur déchiré parce qu'il y a personne qui se parle, personne qui se comprend. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chacun de notre côté. Eh, j'ai le droit de parler ou pas? C'est un truc de fou. Non, t'as pas le droit, c'est pour dire de la merde. C'est pas ton interview là, c'est un truc de fou. Bref, vas-y, parce qu'un cœur, chacun veut jouer de son côté, donc vas-y, on va faire la même, et basta, c'est tout, ça m'énerve. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, c'est une interprétation, je peux comprendre, mais... C'est mon interprétation, j'ai le droit de la faire, c'est bon, carré. Effectivement, effectivement. Voilà. On va passer à Kirby, on va s'adoucir. Allez-y, Kirby, expliquez-nous votre dessin. Oui, alors, à droite, vous avez ma baby girl, c'est l'amour de ma vie, voilà, et à gauche, vous avez mon bro, mon meilleur pote, il a le 8 box. C'est mon pro pour la vie. Effectivement, belle interprétation, Jean-Charles. C'est mon pro pour la vie. Vous voyez, la 8 box, il est super bien collé. La dernière fois, je l'ai vu à Walpé. Franchement, il m'a impressionné. Je suis presque devenue amoureuse de lui. Tellement qu'il m'a fait kiffer. Et ben, Big Girl, c'est... Mais c'est qui? Big Girl, quoi. Bah, tu vois pas qui c'est quand même? C'est Jordan. Oh, c'est Jordan, très bien, très mais bien. Mais oui, bien ah, sûr. C'est Jordan. Bah oui, hey, tu l'as pas vu à Walpé, hein. Vas-y, vas-y, Brandon, vas-y, sors ta vanne, Brandon, sors ta vanne. Quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Juste, je savais pas c'était qui, je pensais que c'était quelqu'un qui était pas dans la classe. Non, non, c'est Jordan et voilà, c'est la personne avec qui je passe le plus de temps. Si on regarde ton dessin. Ma vie ici, c'est la personne que j'aime le plus ici, madame, voilà. Il y a Nova et Jordan pour toi, ok. Je les aime plus que tout, voilà. Dans la vie, ça va. Et on devrait bien, très bien. Deux personnes, sinon on aurait fait tout le monde. Allez-y, Nova, présentez-nous votre magnifique dessin. Bah oui, il faut faire deux personnes, man. Bah alors là, j'ai fait Kirby, avec un truc un petit peu kush et tout, avec un fond fuchsia. Trop bien. Ça, c'est elle plus tard, c'est elle dans le futur. D'accord, ah, très oui. bien. Imaginez son environnement gangster, avec un tripack et tout. Voilà. Et ouais, avec mon bro. Ouais, voilà. Et là, c'est son bro et mon bro à côté, c'est Brandon, qui sera un grand gangster avec un fusil chromé, des billets et toujours en train de râler parce que sinon, c'est pas Jordan. Eh, on sera des gangsters, Jordan. Vous avez dit Brandon. Des gangsters. Je comprends pas, c'est Brandon. Brandon moi, Jordan. Ah, pardon, non, c'est je serai jamais un gangster, Jordan. Moi. Je m'abaisserai jamais à ça. Non, non, je parle à Jordan. Très bien, très bien. T'as pas les taux, t'as pas les taux. Vous avez fait un magnifique dessin. Vous... Tu grandiras, c'est très, tu comprendras très beau. Vous avez beaucoup de talent. D'être un gangster. Merci beaucoup. Je allez, le prochain. Mon pro. Alors, c'est mon interprétation. En fait, j'ai voulu faire comme les fables de La Fontaine, quand ils jouaient le renard et la corbeau, etc. Sauf que moi, j'ai appelé mon œuvre la merde et le porc. À chaque fois que je m'exprime à quelqu'un dans cette classe, c'est soit une merde, soit un porc. Donc, je pense que c'était la meilleure représentation possible que je pouvais faire artistiquement parlant. Donc voilà, okay. Sans méchanceté, bien sûr. Okay, okay. Ouais, d'accord, or, mais dans méchanceté. Ce cas-là, merde ou un porc. Merde et porc, du coup, on aimerait savoir ouais. qui on est, tu vois. On est qui pour toi? Justement, c'est à vous de le choisir. Qu'est-ce qui vous représente le mieux? Franchement, je dirais que je suis une petite porc. Parce que vas-y, moi, j'aime pas. Trop tes ma baby girl. J'aime trop tes ma. mon bro. Vas-y, je crois que je suis une petite cochonne au fond. Ouais, voilà, moi, je dirais la merde. Ouais, ouais. Moi je sais pas, à partir du moment où t'as dit la corbeau, je pense que t'as vu, je vais c'est pas vrai, choisir. Je suis un peu à la vie. Ah bah tu te mets du côté caca alors toi, non? Est-ce qu'on peut être un cochon caca, genre les deux en même temps, genre un cochon avec un caca sur la tête? Bah tu pourras nous le décider la prochaine fois alors. Ok, super. Bah, merci voilà. pour cette intervention, vraiment très éducatif. C'est une interprétation, bien. c'est abstrait. Très abstrait. Bien. Ouais, c'est au tour de Jean-Charles, allez-y. Alors moi c'est. C'est Francis malheureux et Francis heureux. C'est deux manières d'exprimer c'est la joie qui, Francis à travers Francis le malheur et à travers le bonheur. Mais il n'y a pas de Francis dans notre classe. Oh, c'est quoi ces bruits? Pourquoi on entend des coups de feu? Ouais non, c'est quelqu'un qui a bouffé mexicain. Mais non, la laine, tu connais pas. Écoutez Aziz. La laine, oui, celui de qui la les roue là. De la classe, Ah oui, tu parles de Francis classe verte. Classe verte, effectivement. Francis Lalaine. C'était pas ça l'exercice, non? Francis était de représenter un élève sous non, deux c'était états. Deux élèves. C'était deux élèves, ouais, mais bah moi ce j'ai n'est pas grave. Un élève alors. Et de ta voilà. classe aussi. Ouais, c'était ta classe. Hein, moi. Ah, de ma classe. Ta classe surtout. Ouais. Bah, ok, bah, Jordan heureux, Jordan malheureux.
Ça marche aussi. Non, mais, moi, ça marche aussi. Mais pourquoi pas toi? Bah, ça marche aussi. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça, c'est plutôt l'inverse du coup. Aziz. Jordan heureux à gauche et Jordan malheureux à droite. Eh, Aziz, tu sais quoi? Ah. Eh, y a un truc que tu sais pas. Yellow, elle a embrassé Amine et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle t'avait aussi embrassé, qu'elle avait aussi embrassé Romuald. Et quand je lui ai posé la question qui embrasse le mieux, tu sais, elle m'a dit qui embrassait le mieux? Amine, mon gars. Non, elle a pas dit ça. Elle... Ah si, ah, si elle m'a dit ça. Pour te prie, je te jure, elle m'a dit ça. Et du coup, d'être dans la vie des gens, c'est quoi que t'as atteint tes objectifs à toi? Quoi? Oh, eh, eh, t'as loupé le spectacle. T'as loupé le spectacle. Non mais écoute, regarde ce qui se passe autour de toi. Tu parles à un mur, ça sert à rien. T'as loupé le spectacle, Aziz. Ouais. Demain, elle pourrait voler sa propre mère et il la protégerait toujours. C'est ça le problème. Vous vous mêlez de la vie des gens, mais vous n'arrivez pas à nettoyer devant chez vous déjà. Eh, vous voyez, madame, non, comment mon dessin est le meilleur représentation de cette place. Je voulais place. Dire ça parce que je t'étais pas là. Voilà, tu voulais gagner pour les autres. Voilà ce que tu voulais faire. Si on travaillait, si on travaillait tous ensemble. Eh, tout le monde est déjà au courant, man. Elle en a déjà parlé à tout le monde tout à l'heure. Bizarre. Elle en a parlé au vert. Ben, t'étais pas là, je crois peut-être, mais elle en a parlé. Brandon. Voilà, t'es au courant. Madame. Y'a un rat là, sa mère la tu pute! C'est quoi, je m'excuse si tu l'as pris mal. Ah, mais bon, c'est pas du tout. Y'a un rat là! Il est trop vieux! Il vient du Japon! C'est le rat du Japon! Vas-y, parle-lui à ce bâtard! Je le connais bien! Vas-y, faut que je le chope, faut le choper! C'est une bitch! T'es mal à la taille du rat! Ne quittez pas la classe, s'il vous plaît! Attendez, il nous emmène quelque part! Y'a un message, madame! Non! C'est interdit de quitter la classe! Venez, s'il vous plaît! Mais faut le choper, ce bâtard, non? Venez, vous pourrez courir après le cours. C'est bon, c'est voilà, bon, parfait. Vous allez devoir du coup maintenant élire le meilleur dessin. Oh. Selon vous, lequel est le plus impactant et... On a le droit de voter pour soi-même? Alors? Oui, si vous voulez. Qui c'est qui prend la parole? Dans l'ordre, on va faire par ici, donc Jordan en premier. Moi, c'est mon dessin. C'est le vôtre, très bien. Ensuite, alors, pour vous, lequel est le meilleur dessin? Pour moi, plus représentatif. Alors, en toute objectivité, pour moi, le meilleur dessin, c'est celui de Nova. Pour deux raisons. Déjà, de un, c'est le plus abouti. Et ensuite, on voit qu'il y a de la créativité quand même. Moi, je trouve que ça manque de lore. Bah non, justement. L'or bah non, justement, il y a énormément d'histoires à travers ce qu'elle dit. Oh là là, elle fume un joint, gang shit, et l'autre, il a des... Et t'as dessiné à quelqu'un un pochon, non, t'as même pas ton mouette. Mais c'est si, toute j'ai une le droit histoire. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir un avis critique sur le dessin. J'ai le droit. Mais même au niveau du trait, madame, c'est ça que j'aime bien. On ressent au niveau du trait là, qu'elle a mis, on ressent de l'émotion dans son dessin. Très bien, très bien. Voilà. Ensuite, Nova, je vous écoute. Quel est pour vous le meilleur dessin? Pour moi? Non, pour Nova, Nova. Ah, excuse-moi. Alors, moi, je dirais celui de Kirby, parce que c'est ma meilleure amie, mais j'aime bien le mien aussi, parce que je trouve beau. Donc, d'accord, c'est pas objectif. Très bien. En toute objectivité, je dirais que c'est le mien. Celui de Jordan, c'est juste pour être pas content. Celui de Kirby, il aurait pu être magnifique, mais elle a pas eu le temps de le finir. Celui de Jordan, il fait passer un message, quand même. Ouais, mais c'est vrai que c'était passé un message fort dans cette... Hé, il y a un autre message. C'est que là-bas, il y a un tableau. Vas-y, je vais rien dire. Quoi? Non, vas-y, tranquille. Vas-y, excusez-moi. Celui de Brandon, c'est... Bah, le cochon, il est très bien fait, hein, mais... Il est là, le tableau de Brandon, non? Eh, Brandon, c'est pas ton tableau, ça? Ah, t'as repris du poil de la bête, j'ai l'impression. C'est ton tableau ou pas, Brandon? Dis-moi juste. C'est le mien. Voilà, le chien. Ça te correspond bien, ça. Ensuite, Brandon, pour vous, quel est le meilleur dessin? Ils sont tous nuls. Vas-y. Même le tien. C'est un avis. Ah oui, même le mien, j'ai jamais... dans cette classe, beaucoup d'ondes positives, je sens, dans cette classe. Et ensuite, Jean-Charles, pour vous, quel est le meilleur dessin? Moi, je dirais le deuxième, celui de Kirby. Celui de Kirby? Ouais. Pour quelle raison? C'est simple, clair, épuré, t'arrives à comprendre directement le message quand tu regardes. Il n'y a pas de truc en plus ou en trop. Eh bien, merci. Très bien. Bien, écoutez, on va rester quelques minutes encore dans la classe en attendant la fin du cours, mais bravo pour votre investissement et pour vos dessins. Merci, et professeur. Vous, dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans nos dessins. C'est la fin du cours, merci d'avoir participé. C'est la fin du cours, bon, merci. Ouais. Merci, madame. À plus tard. Merci. It's on the regular, I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.